pour notre Décembre Daily, la suite. Plus que quelques jours et le Décembre Daily, c'est fini. Moi, je le fais jusqu'au 25. Je fais pas jusqu'à la fin du mois. Je m'arrête au 25. Voilà. Donc, je suis avec Monsieur Scrapounette. Voilà. Aujourd'hui, bah, il était faire sa petite promenade. Voilà, il est tout content. Les chats, ça se passe super bien. Ils ont joué toute la matinée. Il y a eu des tout petits flocons qui sont tombés. Donc, ils étaient excités. Donc, voilà, je vais vous montrer mon December Belly. Alors, cet après-midi, avec mon fils, qui est en vacances, il mange mes grelots! Il mange mes grelots! Attendez, bisous! Salut! Allez, hop là! Il mange mes grelots! Ah ben ça l'amuse! Cet après-midi, on a fait des biscuits de Noël avec ce petit accessoire que j'ai trouvé à Cultura. Donc c'est en bois, un petit cube et c'est pas n'importe pièce. Ah. Scrap, arrête, merci. Non, 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 je suis pas une mâchouille. Donc, avec ce petit cube, il y a plein de petites formes qui font du relief sur les biscuits de Noël. Donc, on les a fait à la cannelle. Donc, il y a ce modèle, il y a celui-là, celui-là. Ça, j'adore, là. Celui-là. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Celui-là. Donc, voilà. La barbiche du Père Noël, ho, 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 aussi. Donc, on a fait des petits sablés de Noël. Et ça, c'est l'emporte-pièce pour faire la forme des biscuits. Donc voilà. Donc on a fait un beau petit plateau. J'en ai emmené à ma maman qui est en EHPAD demain. Et puis on va déguster le reste. Voilà, mes petits sablés. Donc on voit, c'est vrai qu'on le dessin est assez. Faut vraiment le voir de près, quoi, en fait. Voilà, ça donne ça. Voilà, nos petits sablés de Noël pour le Père Noël et puis pour nous, bien sûr. Voilà. Alors, voilà pour les petits sablés. Pour le December Daily, donc je n'ai pas suivi le thème des paillettes. Je n'ai même pas regardé ce que c'était. J'ai pas suivi. J'ai fait un petit peu ma sauce. Ah, ma sauce. Oh, 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 oh. Alors. Où est-ce qu'on en est donc, de ce décembre de lit qui augmente et qui touche à sa fin. En fait, c'est bien sympa. Je suis bien contente d'avoir tenté de faire ce décembre de lit. C'est bien sympa. Donc, moi, ce que j'ai fait, voilà. Je ne sais pas quel était le thème des paillettes. Je n'ai pas du tout regardé. Donc, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Voilà, ça coule un petit peu. Voilà. Alors, moi j'ai mis une autre petite le jour qu'on a fait nos guirlandes extérieures et il y avait tombé un petit peu de neige. On avait pu écrire, on écrit des petits messages un peu sur les tables partout. Voilà, où la neige est tombée, qu'on peut voir les petits messages. Donc voilà. Alors, ça c'est des. Ça vient de chez Noz. Ça vient. Il y en a qui viennent de chez Lidl. Les washi de chez Action. Voilà. Toujours mon petit cachet de cire en pâte à rêve. J'adore faire ça. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite photo le jour de nos illuminations et qui est tombé un petit peu de neige. J'en avais écrit des petits messages pour s'amuser dehors. Voilà. Et la page suivante, j'ai fait quelque chose de tout simple. Donc j'ai fait notre petit sapin, voilà. Voilà. Et toujours aussi des décos de chez Noz. Voilà. Le petit bonhomme là qui a plein de guirlandes qui s'en mêlé dans les guirlandes. Donc voilà. Notre petit sapin, on a accroché la petite chaussette.
Voilà. Alors cet après-midi, j'ai fait beaucoup de paquets cadeaux, des emballages de paquets cadeaux. J'ai emballé pour les petits-enfants, voilà. Pour mon fils, on a été faire ses derniers cadeaux hier. Hier, ouais, on était hier, c'était ouvert, le magasin était ouvert, il y avait des promotions qui étaient sympatoches. Donc, on était faire les derniers cadeaux pour mon fils. Donc, j'ai fait tous les paquets. Ça y est, c'est fait. Je les ai fait tout simple et je les ai fait dans... J'ai récupéré des chutes comme ça. Je vais peut-être mettre dans mon December Daily en faisant je ne sais quoi. Rien ne se perd. Hein. Donc, j'avais utilisé ce rouleau de cadeaux. Je ne sais plus d'où il venait, mais j'ai pu emballer... pratiquement tous mes cadeaux avec. J'étais étonnée. Je dis, mais waouh, il y a tout ça autour. Et je sais plus où c'est ce que j'y ai trouvé. C'est Scrap, non, qui fait quoi, Lulu? Joue. Où? Vers toi? Oh, il y avait un mot, Ah ouais, bah fais-lui bisous. Il veut jouer là. C'est Monsieur Scrap qui fait des siennes. Hein. C'est pas les chats cette fois. Alors, Monsieur Ron a détruit déjà mon sapin, encore mes nouvelles décos, donc j'en ai refait d'autres. Bon, j'aime aussi faire des décos de Noël, mais donc voilà, là, il s'amuse, il s'éclate avec mes décos de Noël. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer mes petites créas que j'ai fait dernièrement. Alors, voilà pour le December Daily. Plus quelques jours, plus quelques dodos et le papa Noël va passer. Oh oh oh, oh oh oh. Alors, ce que j'ai utilisé, un dies d'action, parce que quand on a fait les derniers achats pour mon fils, bien sûr, il y a un action à côté. Bien sûr, j'ai été faire mon tour. Je voulais trouver les dies que je n'avais pas trouvé. J'en ai pris un quand même qui était de cette forme-là. J'ai dit pourquoi pas faire plein de petites photos, voilà, dans ce petit cadre en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Plein de petites photos, Monsieur Scrap, Monsieur Russard, encore Monsieur Scrap, le chat là qui vient là, on l'appelle Dédé l'embrouille. Ça là, c'est Miss Praline, Monsieur Ron, le boss, le big boss qui est là avec sa mère. Donc voilà, et j'ai pris les dies horloge, j'adore ces dies. Et là, c'est en fait, ça c'est le tour. Des coupes du dies et l'intérieur de l'horloge. Je dis pourquoi pas faire une espèce de petit effet comme ça. Donc voilà. J'ai collé plein de. Excusez-moi. J'ai collé plein de petits stickers, bien sûr. Voilà. Pour cette petite page. D'une partie de nos chats. Pas tout cela, mais une partie. Vu que là maintenant. On a un 17e qui est arrivé. Et oui. Là, je ne l'ai pas revu. La minou, je ne l'ai pas amenée. Alors, je ne sais pas. Il fait froid dehors. Peut-être qu'il reste dans les granges des voisins, là. Mais en tout cas, les deux minouches viennent manger. Le gros matou blanc est venu manger, mais pas le petit chatounet. J'ai presque pu l'attraper. Mais il est hyper sauvage. Il n'a jamais vu d'humain. Donc. Il est hyper sauvage, mais j'ai presque pu le toucher. Donc voilà. Il n'est pas gros, il a, je dirais 3 mois, 4 mois, allez. Mais il est vraiment pas gros. Donc voilà. Et là, j'ai utilisé, commencé à faire dans cet album qui vient de chez Lidl, et j'ai commencé à faire une première page. J'ai fait Monsieur Scrap dans toute sa splendeur. Voilà, et j'ai mis mes petits sapinous. Excusez-moi. Et bien sûr, des stickers, des découpes en voiture. Voilà. Voilà. Ça vient de des. Pour la plupart, ça vient de chez Action. Ça vient de chez Noz. Les derniers, j'ai trouvé. Non, chez Lidl, pardon. Chez Lidl. Et ça vient des journaux Passion Scrapbooking. Voilà, plein de ces petites découpes là qui vont très bien. Voilà. Donc, puis là, j'ai utilisé des chutes que j'avais de papier et je fais des petits embellissements pour ne rien gâcher en papier. Voilà. J'ai des boîtes entières de chutes.
Je dis, ça va servir, ça va servir. Tant que je les écoule, il va passer un sacré bout de temps. Mais bon. Bon, ma scrap room est chargée, c'est chargée. Mais bon, comme j'ai pas de chauffage dedans, je me suis retranchée dans ma cuisine. Donc voilà. Ben voilà pour toutes mes petites choses du jour. Voilà. Donc les cadeaux sont emballés. Voilà, il n'y a plus que le repas à peaufiner. La déco de table, je l'ai presque terminée. Voilà. Je vais mettre en chemin de table. Je vais faire ce que j'aime bien faire, là, les feuilles de plastifieuse avec de la fausse neige, là. Et puis des petits branchages intégrés de sapin. Je vais faire un chemin de table comme ça. Et mes petits chaussons avec les petits grelots. Il me reste encore quelques-uns peut-être à coudre. Les petits grelots, voilà. Autrement, la déco, voilà. Et les petites bougies, les petits, voilà. La déco est peaufinée. Et puis, comme je fais aussi des petites boîtes en forme de bonbons, vous savez, pour mettre des petites papillotes ou des petits chocolats, on va faire sûrement avec mon fils des petits chocolats. J'ai des petits moules à chocolat, je vais vous les montrer pour Noël. Donc, tous les ans, on fait. J'arrive. Je vais vous les chercher. Tous les ans, on fait nos gâteaux, nos chocolats nous-mêmes. Donc, j'ai un moule comme ça. Ça fait comme si c'était une boîte. Après, une boîte de chocolat, vous savez. Voilà, les formes comme ça. Donc, avec mon fils, on fait les chocolats pour Noël. Toujours plus marrant de faire soi-même. Donc voilà, ça fait plein de chocolat, comme si c'était une boîte de chocolat. Vous savez, dans le temps, il y avait souvent des chocolats de cette forme-là. J'aimais bien ça. Donc, on va faire nos propres chocolats que je mets dans ces petites boîtes de bonbons. Voilà. Donc, j'espère que chez vous aussi, vous avez peaufiné votre déco. N'hésitez pas à me faire partager vos décos. Et puis me faire partager si vous avez fait aussi un décembre daily, n'hésitez pas. Voilà. Donc notre décembre daily bientôt, je touche bientôt à sa fin. Le calendrier de l'Avent, bien sûr, mon fils a bientôt fini aussi. Ça passe vite. Comme quoi, ça passe très vite. Donc voilà, plus quelques pages du décembre daily et voilà, il sera fait pour cette année. En espérant pouvoir en faire l'année prochaine si tout va bien. Voilà. Je vous laisse, les Scrap Addicts. Préparez bien Noël. Faites bien vos décos. Et voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous, les Scrap Addicts. Ho, ho, ho. Avec mon petit Rodolphe. Ho, ho, ho.